On arrive sur le big stockage. Oh, par contre, il n'y a pas d'étiquette, c'est la merde. Hein. C'est la merde, je suis obligé de faire ça pour savoir ce que j'ai mis. C'est un bordel ouf. Là, je suis à 50, je tiens. De toute façon, le beurre, il est de base, il part pas, donc bon. Prend pas une très grande perte. Voilà. Voyons, voyons. On va virer un caissier, ça nous fera de la thune en plus. Allez, hop, licencié. Il est où? Hop, on te licencie, tu me casses les couilles. Voilà. Attends. Quoi? Ah. Sauvegarde. J'étais dans Il le fait congé. froid. Non mais j'étais dans le congé. Ah, qu'est-ce qu'elle a pris du coup? Ah, oh, j'ai mis les prix plus chers en plus, hein. Ok, bon, pour l'instant, elle a pas mis article trop cher. Alors que j'ai tout monté de ouf. Hein. Bah, je te l'ai dit. Ah, il y a des trucs, j'ai mis 1 € de plus. Hein. On va voir. Elle, si c'est trop cher à travers le mur, ça va le mettre. De toute façon, c'est trop cher. Et je pense qu'il y a un moment, quand tu montes de level, t'as pas forcément le choix. Toi. Ok. Lui, il rentre. Il va prendre des chocs à pic, des cookies. Ok, les patates, je les ai arrondies de ouf. Elle a pas l'air de se plaindre. Après, je sais qu'il y a des clients plus exigeants que d'autres, donc bon. Il y en a pour 10 centimes, ils vont casser les couilles, et d'autres pour 1 euro, ils vont le prendre. Donc, c'est pour ça. Eh, ça a l'air de bien se passer, hein. Il n'y a personne qui met, c'est trop cher pour l'instant. Oh, c'est pas bon, ça. En plus, j'aime pas, il était acide. On va voir, je vais goûter après. Ah ben... Donc normalement, je fais à peu près 2 500-3 000 par jour. À peu près. On va voir combien on est. Là, on a arrondi à 12 000. On va pas compter les 24. Même le client que j'ai fait avant, on va pas le compter. 12 000 piles. On va voir à combien on est en fin de journée. Rien que déjà lui d'à côté, là, je pense qu'il a déjà plus de 50 balles. On va voir. 50 balles. On va faire 0 réa pro. Comme ça, on va voir. On peut tenir la journée. C'est ça que rien que là sur des petites sommes. Là on voit la meuf, elle a pris 4 trucs pratiquement 30 balles déjà. Donc tout de suite, ouais, c'est vrai que c'est un peu mieux. Mais par contre, j'ai l'impression qu'ils prennent moins de grosses commandes. Ah, même si les sushis restent chers. J'avais 10 centimes de plus, mais c'est pas. Vu que ça a pas bronché. Eh, j'essaie même encore de monter les prix, hein, ça se trouve, hein, je vais abuser. Hein. Les trucs à 12 balles, je les mets à 15, hein, je mets 3 euros de plus. Hein. Parce que ça a pas l'air de broncher, hein. Franchement, il n'y a aucun qui a mis c'est trop cher Bah, pour je te l'instant. l'ai dit, Bah, je pensais pas. Ouais, mais regarde au début. Au début, on mettait 10 centimes de plus et il disait trop cher. Est-ce que justement, c'est pas ça? Vu qu'on monte les levels, faut monter les prix. Vu que forcément, les articles coûtent plus cher. Au bout d'un moment, c'est peut-être ça. Oh, par contre, il a pris une sacrée commande, lui. Hein. Ah, la différence, il a pris 0 sushi, on est à 140 balles. Oh! Ah ouais, c'est monstrueux en fait. Ouais, si je suis prélève à 1 300. Ok. On est déjà à 600 balles en très peu de temps. Donc, de toute façon, c'est le soir. Hein. À partir des 4 h de l'après-midi jusqu'à 20 h, c'est là où ça monte à mort en thune. Le plus gros qu'on a fait, je crois, c'est 190. De mémoire. Donc, on va voir si on arrive à le battre en une journée. En un client plutôt. Après, elle avait pris full PQ sushi, donc total quoi. On va dire. Et ils vont tous chez lui. Hein. Ah, le miel est trop cher. C'est le premier qui se plaint de la journée. Donc forcément, on perd de l'XP. Hein. Je perds 1 XP. Bah, ça va, s'il n'y en a que un ou deux qui se plaint, ça va. Par contre, s'il y en a 10, c'est relou. Et du coup, on perd de l'XP, on n'avance pas. Belle commande, le monsieur là. C'est Twitter qui dit c'est trop cher. Oula, bah le PQ à mon gars là.
60 balles rien qu'en PQ. Oh, lui va nous régaler, lui, fais voir. Oh, 150. Ouais, je crois que c'est la méthode, hein. Il nous reste encore un peu de temps, hein. On rappelle, t'as 12 000. Encore 300, on aura fait 2 000, hein. Et là, c'est les heures de pointe. C'est là où ça arrive. Quelqu'un qui est parti. Ouais, ça part moins en quantité, parce que normalement, ça part de ouf. Donc, en soi, c'est pas trop mal, parce qu'on garde de la quantité. Je pense que c'est pas trop dégueu. J'ai moins de réappro à faire, mais on a plus d'argent. Donc en soi, on est archi bénef, hein. Et par contre, les poulets, ils ont dévalisé, hein. Cher ou pas cher, les poulets, ils ont dégommé, hein. Voilà, on a fait 3100. 3100, alors j'ai dit qu'on est entre 2005 et 2008. On est déjà un peu plus haut. On va voir la journée précisément. 3100, c'est ça. 3100, c'est vraiment pas dégueu 3100. Par contre, 42 clients au lieu de 45. 3 clients en moins, ouais, ça peut faire pareil. Hein. Ah, je le veux. On va voir là après des hausses de prix, tout ça. Vas-y, on va en faire dans l'abus. On va faire dans l'abus. On va refaire un petit tour de. Un petit tour. On va augmenter tous les prix, mais vraiment. Genre 1 euro de plus, quoi. On va vraiment être vraiment dans l'abus. Des patates, j'en ai pas d'avance, des patates. Ah si. Voilà, direct déjà, l'huile d'olive trop chère. On s'en fout, on va voir. On perd un XP, mais bon. Ah attends, le poulet, je l'ai pas monté. Ah le poulet, vas-y, je vais mettre 12 balles. On va se faire un bénéfice de ouf. Si t'as part. Rien que déjà un poulet, il me rembourse 3-4 poulets, quoi. Par contre, j'ai que des cartons vides là. Ça pue la merde. Hop, une autre cliente qui dit que c'est trop cher. Avec 43 balles, elle a pris deux trucs quoi. Deux miels, 20 balles. Ah ouais. Ouais, la renta elle est bonne. La renta elle est très bonne. Donc on avait fait 3100 avant. On va regarder à combien on est là. Moi, forcément, je vais racheter 10 patates. 10 patates, 10 patates. Et les patates, ça part. Ah, tout le monde dit que c'est trop cher. Hein. On s'en fout. Pas si on peut rétrograder de level. Eh, les patates, je les ai mis 4 balles plus chères et ça part. Hein. Oh! J'ai l'impression que les premières nécessités, mon gars, ils s'en foutent que c'est trop cher ou pas. Hein. Parmesan trop cher. L'autre, il dit savon trop cher. Tout le monde dit que c'est trop cher. Là. On s'en fout. On garde le rythme. Pas là pour enfiler des perles, c'est trop cher, tu dégages. Eh, c'est trop cher, elle s'est fait un sacré panier, la petite dame, là. Pas beaucoup de quantité, 50 euros. Et voilà, elle prend pas les patates, contrairement à l'autre. Pour l'autre, c'était pas cher, et pour elle, c'est trop cher. Donc ouais, c'est vraiment à la tête du client, hein. Alors attends, avant de prendre les cartons, je vais checker. Ok, le cola, si je peux le remplir un peu. Mais vous voyez, j'ai pas trop rempli, hein, à part les patates. Patates poulet, j'ai pas rempli plus que ça, sinon. On va voir si on va faire faillite là. Est-ce que c'est la strat de monter, monter, monter? Cent quatre, y a que ça dedans. On est à 14 000, on est déjà à 2 000. 2 000, on a fait même pas la moitié de la journée. Ouais, si on a fait la moitié de la journée. 2 000 pour faire la moitié, franchement, on est bien. Ah, j'ai eu moins un XP là, par contre. Pourquoi moins un? Pourquoi moins un, ma petite dame?
Ou alors t'as un moins de temps en temps. Je vérifie partout. Ah, j'ai tous les articles, donc on va peut-être un moins de temps en temps quand même. Hein. Ouais, par contre, elle a pris de la quantité, elle, ça a pas fait cher. Hein. Elle a pris que des machins bas de gamme ou. ...2200 là. Voilà. Mais en tout cas, beaucoup de gens disent que c'est trop cher. Hein. Ça va être le moment de rush. On va voir si on gagne plus. Là, j'ai l'impression qu'en PQ, c'est bien. Ça part pas trop, vu que c'est cher. 200 crédits. C'est bon. On a fait plus que le jour d'avant. Et il nous reste des clients. Donc, c'est peut-être la strat de mettre cher. On va voir à la fin. Je crois qu'on va terminer vers les 3005. Et ça a l'air de moins partir. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que normalement, le PQ, je dois le remplir. Franchement, l'étagère de double, là, je dois la remplir peut-être deux fois dans la journée. Quand je mets le prix classique. Yo mon petit hypno. Donc là, je suis bien. Bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Content de ce petit résultat là. On va voir sur le long terme, mais. Pour ça que je vais mettre dans l'abus, peut-être encore augmenter les prix. On attend encore de notifs trop cher, mais à voir. Mange tout de suite ou pas? Ouais. Alors, voyons voir. Voyons voir. Bah attends, on a fait moins. On avait fait 3097 en revenus. On a fait 2004. On a 700 de moins. Gâteau miel. Vas-y, on fait l'abus. 5,50, on augmente à mort. Miel, 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 miel. Miel, on l'avait mis à 12 balles. Allez, on met dans l'abus. 13 balles. Et les prix bas, on les laisse élever. Comme ça, du coup, ça sera encore plus élevé. On va tester, on va tester. La monnaie. Ah là, je mets que des comptes ronds depuis tout à l'heure. Bah, vu que j'ai mis des prix ronds, forcément, avec des prix ronds, j'ai pas de truc de monnaie. Alors, comment on a fait en revenu? 2008, et tout à l'heure on a fait 2004. Donc, on est quand même pas trop mal. Oh, vas-y, je mets les riz à 10 balles, on va tenter. Attends, mais je vais monter les prix vachement plus haut. Hein. Je vais tenter. Hein. Oh, 5 balles les pâtes, hein, je m'en fous. Hein. Faut vraiment que j'essaie de pousser le truc, le vice au max. De mettre des prix de fou furieux. C'est trop cher de partout. On a tellement abusé sur les prix. L'autre avec le costard bleu, il a été au gratiné. Trop cher, il était derrière trop cher. Le mec qui repart, il a rien du tout. Frites trop cher. Attention, pizza trop cher. Oh, il y aura bien un pigeon qui va acheter un truc super cher. Hein. Elle a quand même pris un truc, je crois, non? Ah putain, le thé, je l'ai monté de ouf, hein. Il prend le thé. Ouais, bah lui aussi, il a enculé tous mes poulets. Alors en fait, le poulet, je vais le monter à 50 balles, hein. 50 balles l'unité, hein. Pas possible, il part trop vite. Je pense que je vais abaisser un peu les prix. Je vais voir jusqu'où je peux baisser. Bah,
En baissant genre de 50 centimes à 1 euro, vu que j'ai monté, mais vraiment hyper haut les prix de ouf. Savoir où je peux gratter. Je suis sûr qu'il y a des articles où je peux gratter. Ben comme l'eau, là, j'ai l'eau, je l'ai mis à 5 balles alors qu'elle est à 2. Je pense que je la mets à 4 euros, ça part. Du moins quelques-unes. On va voir. On va voir comment on peut mettre 1 euro en moins partout. Bah, celle-là, on va la mettre à 7. On va voir. Elle, elle se remit, elle part quand même, hein. Franchement, malgré le prix hyper élevé, ça part. Isa, faut que je trouve le juste milieu, parce que même en mettant des prix bas et du marché, ça part pas des masses. Donc d'avoir une strat sur les pizzas, un peu comme j'avais trouvé sur les yaourts là, qui partaient pas. Mmh. 15 balles le poulet quand même. C'est vrai que j'ai craqué quand même sur le poulet quand même. 15 balles. Ah, François, dans la vraie vie, un poulet, poulet du marché, c'est 15 balles, hein. Voire 20, hein. Mais bon. On n'est pas sur un poulet du marché là. Hein. Il reste toi qui arrive. Ok. Oh, les frites, de toute façon, que je mets n'importe quel prix, ça part pas, de toute façon. On va voir. Et tout à l'heure, on a quand même trouvé un bon compromis quand même. On s'était fait un beau billet. Malgré les prix chers. Merde, oula, qu'est-ce que je fais moi? Je suis un fou moi. Je suis zéro à rendre. Oula, excuse-moi, t'allais pas être trop riche toi. PQ à 18. Par contre, j'ai beau mettre, mais on a fait ça. Mes pâtes, pas chères, ils me dévalisent tout. Mon riz, ils m'ont fumé. Ils ont fumé mon riz, mes spaghettis. En fait, tous les. 50. Oh. Ça, c'est pareil. On va mettre oh, aussi. Combien on a fait dans la journée là? 1007. En fait, en mettant les prix chers, on tourne dans la 1007. En gros. On va voir. Hein. Une dernière journée avant d'aller me coucher. Voir un peu la rentabilité. Après, encore une fois, 1007, mais. Ils m'ont pas vidé les trucs. Certains trucs, quoi. Donc, je sais pas. Franchement, là, je sais pas du tout. Hein. Là, ils m'en prennent 3-4 par-ci par-là. Mais c'est pas non plus. En mode. En mode, ils me dévalisent. Cacahuète, je vais voir. Parce que des fois, ils disent que c'est trop cher. Et des fois, ça part. Donc. Par contre, le café. J'ai plus de café. Ah bah oui, la petite dame, elle a piqué mon café. Bon, ça par contre, faut que je fasse gaffe parce que je me dis que café, ça part bien. Faudrait que j'en rachète, mais là j'ai la flemme, clairement. D'abord remplir ce qu'il y a à remplir. Le petit thé japonais en bas, il descend bien. Hein. Il est cher. Hein. Il y a un truc qu'il n'a pas trouvé, mais bon. On va dire que pour l'instant. Pas forcément ce que je cherche. Ketchup trop cher, ok. Je suis choqué que le miel il part autant. Et
y a déjà un peu plus de clients qui viennent. Forcément, ils doivent prendre leur commande plus vite. Tac, 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 bim. Qu'il manquait un peu de miel, du coup. Ok. Après c'est pareil là, ça reste mou, hein. Ça reste vraiment mou. Y a pas trop de gens qui viennent à la caisse. Après le problème c'est que si je mets trop bas, ou au moins si je mets prix du marché, je suis constamment obligé de remettre de la ressource. Constamment, constamment. Et en plus de ça, je gagne pas énormément, donc je sais pas. J'arrive pas à trouver c'est quoi le plus opti. Est-ce que je mets. Je sais pas. Tous les fromages ne partent pas. Parce que voilà, il y en a quand même qui viennent prendre quand même des belles commandes, donc mais ouais. Je sais pas, faut voir encore au niveau renta, c'est. Je sais pas. Je sais pas du tout, du tout. Parce que quand on met trop cher, on se fait chier à la caisse, y a rien à faire, c'est merdique, clairement. C'est pas amusant, on bouge pas, on attend. Puis niveau thune, on perd quand même plus de 1000, 1000 à 1200. Quand je mets moyen, fais voir. Là, j'ai mis, on va dire, un peu cher. 2002. Donc on est déjà à 600 euros de plus que quand j'avais mis super cher. Mais forcément, il y a plus de réappro à faire. Donc, qui dit plus de réappro dit bah, plus de produits à racheter aussi. Ça tombe bien, tout est en promo. Demain, je vais pouvoir tout racheter. Mais il faut trouver un juste milieu. Peut-être mettre 1 euro de plus, peut-être, que le prix du marché. 1 euro max. Sans compter que les prix du marché sont quand même déjà bien élevés, je trouve. Et du marché 11 alors qu'on a un prix d'achat, on va dire même pas 4, donc on est déjà on est pris x3 quoi. Donc moi limite avec mon 13 là, je suis limite à prix x4. Peut-être là ouais arrondir à 12. Et toutes les unités peut-être les arrondir à 12. À 12 là, au-dessus. Genre la 6, la 4. Ah faudrait que je teste d'arrondir ouais l'unité. Tout ce qui est au-dessus au niveau de l'unité, à part ceux qui sont à 99 ou un truc comme ça. Il n'y en a pas qui sont. Voilà, genre le 96, je vais mettre à 250, je pense. Je vais voir demain comment je peux faire. Là, on va finir sur ça. Je vais améliorer. Améliorer. Je vais payer toutes les factures. Ah, je peux embaucher un nouveau. Mais bon. Vu la lenteur du pélo, voilà. On va acheter. Les deux licences de vodka et de trucs. Je vais finir à acheter tous les derniers trucs par deux. Comme ça, on voit à quoi ça ressemble. On ça plus tard. Ça, normalement, j'ai des frigos de côté, donc je peux y aller. Ça, c'est pas ce qui va me manquer en termes de frigo. Des chips! Des chips, des chips. Bon, mais là, les chips, hein. Un carton, ça fait deux machins. Ok, pas mal, pas mal. Voilà, ça va être compliqué. Parce que là, du coup. Même si je mets les bières là. Ah ouais, c'est que 6 en un carton. Ah ouais. Ah ouais. Merde. Ah là, il aurait pu largement refoutre encore 6 au-dessus. Hein. Alors attends, je vais d'abord mettre les autres, que je vois un peu comment ça peut être. Là, je m'en fous. Un nouveau pain de mie. Bah, parfait. Nouveau pain de mie. Ah, attends.
Non, ok, non, c'est bon, j'ai pas le choix de le mettre là pour l'instant. Nouveau pain de mie. Ah, nouveau riz. Ah, merde. Parce que du coup, là, j'ai déjà un riz. Là, j'ai déjà les pâtes. J'ai des pâtes, j'ai des pâtes. Bah, je vais mettre maintenant le riz là, en attendant. Enfin, je switch avec le sel. Là, j'ai pas trop le choix. Le petit riz éco plus. Les petites chips. De toute façon, je pense que dès qu'on va agrandir, on sera mieux. On sera bien, bien, bien. Parce que ça, j'aimerais bien. Là, j'en ai deux. Tête de gondole, deux. Si je gère bien, je peux en mettre trois, comme ça. Donc, ça, moi, je rajoute deux autres. Donc, ça fait déjà. En longueur, comme ça. Ouais, ça fait quatre emplacements. Quatre emplacements, ça peut être pas mal, hein. Quoi? Ah, les bières, ils vont au frais, ceux-là? Ok, on est peut-être bien alors finalement. Ça, c'est pareil, faudrait que je les bouge. Faudrait que je les mette vers les boissons. Le poivre. Ah bah, le poivre, impeccable. Ah bah putain, mais non. Bah écoute, je vais mettre le poivre en bas. On va faire que des rangées de deux pour l'instant. Ah, je voulais mettre le poivre vers le sel. Attends, ça, c'est notre bière qui va au frais, non? Oh, vous offrez les bières! Oh, mais en fait, je suis grave bien! Ça veut dire que là-haut, je peux faire une étagère de vodka. Ah ouais, mais non, parce qu'il va me manquer une étagère pour mettre l'autre. Ah ouais. Tiens, un autre sucre. Parfait, j'avais fait un emplacement. Bon, là, sur cette rangée-là, je suis sûr que je suis safe. Faut que je regarde s'il n'y a pas des nouvelles chips. Ça me paraît bizarre qu'il n'y aurait qu'un seul. Une seule variété de chips dans le jeu. Enfin, j'ai le temps, hein. Il y a 99 levels, donc bon, je pense qu'au niveau étagère, on a largement le temps, mais bon. Ah bah voilà. Voilà. On se retrouve baisé. Dis-moi que c'est le même carton, please. Ok, c'est le même carton. Donc ce que je vais faire. Attends, je tranche dans le stock, je vais mettre ça là-haut. Attends, what? Une nouvelle farine? Oh bah impeccable, y a rien ici. Par contre, je peux. Ouais, c'est pas le même carton. Je peux ranger que les pains là-dedans. Ok. Ouais, je trouve un carton moyen, genre lui. Ah bah, impeccable, je vais faire ça. Je vais faire ça comme ça. Hop, et je vais remballer cela. Même ça, apparemment, je sais que le mec a dit qu'il allait les modifier. On n'aura plus forcément besoin de carton pour pouvoir récupérer ses colis. Ça va être bien, ça. Ça va être très très bien. Ah ouais, là, mettre les bières vers les œufs, c'est vraiment. Dès qu'on se refera un peu niveau thune, je ferai un meilleur arrangement. Là, le rangement, il pue la merde. Je passe level 31 en fait. 31, il y a un nouvel. Comment on appelle ça? Il y a un nouvel emplacement qui se déplace, quoi, qui se débloque. Et à mon avis, vu comment c'est fait, ça va être là-haut là. Donc qui dit là-haut dit que je pourrais mettre plus de frigo tout le long. Ah, peut-être pas. Peut-être que je vais perdre des emplacements pour ces trois frigos là. Parce que eux, ils vont être poussés au fond. Ah, mais du coup, ceux-là, mes godas, je pourrais les foutre par trois au lieu d'être par deux. Donc je vais gagner quatre emplacements, quatre emplacements, quatre emplacements. Ouais, donc je vais être bien. Je vais être bien une fois fini. Il faut que je sois 31 et il faut que j'ai 16 000. Donc faut pas trop que je dépense de thunes. Toute façon, j'avais dit que c'était mort. Ouais, pizza, on s'en bat les steaks. Je vais mettre ça là pour l'instant. Hop. Bah. Pourquoi je vais te mettre là-haut? Et l'autre, je vais le mettre en bas hein, dans ce cas-là. Hein. Voilà. Hein. Et après, si je veux, je peux me taper une rangée de vodka. Parce que là, attends, on a quoi là après pour les prochaines licences? Prochaine licence, prochaine licence. Ok, bon, l'eau de Javel, papier, tout ça. Donc en soi, ah, c'est level 42. Bon, on a le temps de ouf. On a largement le temps. L'agrandissement, c'est combien? 31, 37, 40. On va essayer d'avoir les trois. Avant le level 42, ça serait bien.
Comme ça, du coup, ça fera 3 emplacements de 4 par 4. Donc ça fait 1. Ouais, c'est ça. T'as 1 à peu près par là, deuxième au milieu et troisième là-haut. Ouais, donc ça a fait le complet. Ça fait le complet. Donc là, on n'a pas d'alcool, c'est que du PQ, des trucs comme ça. Level 42, après on a quoi? Galette, bœuf, jambon. Donc là, je pense qu'il va falloir beaucoup de frigo et congèle. Oh putain, il y a des nouveaux sodas. 42, il y a 3 licences. Oh, j'avais pas vu la troisième. Un nouvel emplacement de sucre, un autre café. Ah ouais, donc là après, il faut des sacrés rayons quand même. Hein. Il faut des sacrés rayons, Saras, parce que là j'avais mis quoi? Café. Café, j'avais mis haut et bas. Mais du coup, il y aura un troisième, donc je suis baisé pour monter. Et à mon avis, dedans, il y a du thé, non? Non, nouveau sucre et 4 sodas. Oh. Glace, glace, encore de la bière, de la vodka différente. Riz, yaourt, ouais, les livres. J'ai hâte de voir comment c'est les livres. Ça peut être mortel. Adoucissant. Bon, ça après, 70, c'est bouffe pour chien. Encore des livres. Dentifrice. Ah, c'est nouveau ça, dentifrice. 81. Putain, après une licence, c'est 11 levels d'écart. Hein. On a le temps. Hein. Oh. Pâte à tartiner, bouteille d'eau. Zap, canette. Ah, par contre, ils n'ont pas mis de Red Bull, ni Monster, ni rien. Tout ce qui est énergisant, ils n'ont pas mis, par contre. Trois soirs plus tard, ils savent que ça va attirer du monde. 4. Attends, mais il y a un truc, le 99, mais là, c'est 90. Encore de la bière, du vin, du whisky. Du sucre 90 là et l'agrandissement c'est combien? 99. Oh, 160 000. Moi j'imagine même pas quand tu dois faire un restockage dans le magasin. Putain, tu dois prendre 4 heures à faire un restockage pour qu'il se vide en 5 secondes. Ah, j'ai hâte d'arriver au moins. Allez, on est quoi, level 30? Demain, je vais essayer de viser le 37. Demain ou après-demain, 37. Ça serait bien. On va voir comment ça se passe. Faut de l'oseille déjà, il manque un peu d'oseille. Bon allez, on verra ça demain. Bon mon hypno. Ah, il y a des crédits. C'est ça que je peux prendre 8 000. Si je prends un 8 000, plus un 3 000, plus un 900. Faut voir, il y a moyen de faire des gros crédits là. On verra, on verra. Bon mon hypno.